Afri-Asia Guinée. C'est une unité industrielle d'emplissage de gaz. Elle est le fruit d'un partenariat entre des investisseurs camerounais, nigérians, sénégalais et guinéens. L'objectif est de mettre à la disposition des différents ménages le gaz domestique à des prix inférieurs de 18% par rapport à ceux actuellement sur le marché. Aujourd'hui, l'heure est à l'inauguration de cette usine par le président de la République, ovationné par la population de Dubreka, fortement mobilisée. Une occasion pour le préfet de louer les efforts du professeur Alpha Condé pour sa volonté de faire de Dubreka une zone industrielle par excellence. Mon président, je voudrais, au nom de toute la population de Dubreka, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail. Vous voici encore à Dubreka pour l'inauguration d'une nouvelle usine qui vient élargir le tissu industriel de la préfecture de Dubreka. Et cela continuera parce que plusieurs autres sont en construction, ce qui fera de notre préfecture, dans un bref avenir, la ville industrielle par excellence. Cela va parfaitement dans le sens de votre vision d'homme de changement, dont l'ambition est de faire de la Guinée, aux potentialités économiques inestimables, un pays émergent. Au-delà de son utilité économique et sociale, cette unité industrielle va également contribuer à la préservation de l'environnement et de l'écosystème du pays. Sa réalisation va sans nul doute permettre de générer plusieurs emplois directs et indirects. Mesdames, Messieurs, le joyau industriel qui se présente devant vous est une chaîne moderne et hautement sécurisée d'emplissage de gaz domestique, doté d'une capacité de production journalière de 6 tonnes, soit l'équivalent de 480 bouteilles de 12,5 kg ou encore 1000 bouteilles de 6 kg. La mise en place de cette unité, dont le coût global est de 52 milliards de francs guinéens, permettra de créer 30 emplois directs et des centaines d'emplois indirects dans les chaînes de distribution et commercialisation à travers tout le pays. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises est tout simplement ravi de voir cet ouvrage venir s'ajouter à ceux déjà fonctionnels et qui emploient plusieurs Guinéens. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'usine dont nous inaugurons aujourd'hui les nouvelles installations a été construite entre 2013 et 2014 avec un investissement initial de 13 milliards de francs guinéens. Sa capacité installée est de 6 tonnes de gaz embouteillées par heure avec une création d'emplois de 30 postes de travail. Ainsi, avec ses installations, la société Afri-Asia Gaz de Guinée contribue au renforcement du tissu industriel de notre pays. Grâce aux efforts combinés des actionnaires et de leurs partenaires techniques et financiers, la société prévoit de réaliser des investissements additionnels de plus de 52 milliards de francs guinéens pour l'extension de ses installations industrielles. Cette ambition illustre, on ne peut mieux, la volonté de la société Afri-Asia Gaz de Guinée de couvrir et étendre le marché national et sous-régional de gaz domestique tout en contribuant efficacement à la résorption du chômage dans notre pays. Le site qui abrite cette unité industrielle couvre une superficie de 312 hectares, dont la majorité est prise en otage par les occupations illégales pour des fins d'habitation préjudiciables au développement des activités industrielles. Un comportement vivement critiqué et condamné par le président de la République. Nous sommes très heureux d'inaugurer cette usine, car la Guinée a besoin pour son développement d'un tissu industriel. Et ce tissu industriel ne peut être basé que sur des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Nous avons choisi Dubreka comme la zone industrielle. Dès mon arrivée, j'ai dit au préfet-maire, cessez de vendre les parcelles parce que c'est la zone industrielle. Comment voulez-vous qu'on développe l'industrie si vous vendez les parcelles, vous mettez les maisons partout? Il faut que la population se mobilise. Toutes les parcelles qui sont vendues illégalement de récupérer. Car quand il y a l'usine, non seulement ça donne du travail à vos enfants,
ça vous permet de disposer de revenus, ça donne plus d'impôts à la préfecture et ça vous donne du gaz, ce qui va vous permettre de plus aller chercher du bois. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui attendent, mais si les terres sont occupées, où voulez-vous qu'on les installe? Bureka doit être fier d'avoir été choisi comme la zone industrielle. Si vous avez beaucoup d'usines, c'est d'abord les enfants de Bureka qui vont avoir du travail. C'est la population de Bureka qui va être ravitaillée et l'ensemble de la Guinée. C'est dans cette dynamique de création d'emplois pour les jeunes que le chef de l'État est venu procéder à la coupe du cordon inaugural de cette unité industrielle de gaz ici au quartier Kabélé Village dans la préfecture de Dubreka. L'occasion a été mise enfin par professeur Alpha Condé de visiter toutes les installations de cette usine de gaz qui vient apporter un plus dans l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des Guinéens.